Hello and welcome to Film of the Century of the Week. I'm George Roth and I'm the host of this program here on Access Channel 5 in Mayville. I'll be presenting films and short films within the public domain of the United States for free and commercial-free broadcast viewing. For this week's episode, we return to the familiar territory of Gothic horror and the familiar style of beloved B-movie magnate Roger Corman. We previously got to see the directorial milestone of Roger Corman last season when we saw the colorized and restored version of his 1960 classic, The Little Shop of Horrors. We also got to see the signature look of the B-movies that he produced, such as when he fostered a young Francis Ford Coppola for his own directorial debut in 1963 with Dementia 13. The Terror was Corman's next film project after the successful adaptation of Edgar Allan Poe's The Raven 1 year earlier that starred Vincent Price. Corman, being a shrewd cinematic cheapskate, sought to save money on his next film by reusing the majority of the sets and props, creating the sets for this film before a cohesive script was even finalized. The film was to be set in yet another dark, mysterious castle in the early 1800s. French soldier André Duvalier is shipwrecked, with his life saved by a mysterious woman who is connected to a sinister baron in a dark castle that whom Duvalier is familiar with. The role of Duvalier was played by a then-unknown Jack Nicholson, who was a favorite actor of Corman's. He had also appeared in The Raven and had made his film debut in Corman's 1958 gangster noir film, The Crybaby Killer. In films that we've aired here on Channel 5, he can be seen as the sadistic dental patient Wilbur Force in Corman's Little Shop of Horrors. Nicholson was fine-tuning his acting chops at the time, and would still stay relatively unknown until 1969 when he played the part of lawyer George Hansen in Dennis Hopper's road movie Easy Rider, that is a beloved favorite for many cinematic fans. Taking the role of the sinister count was B-movie legend Boris Karloff, who was immediately popular following for playing the role of the most well-known incarnation of Frankenstein's monster during the 1930s. Karloff's roles weren't just limited to the genre of gothic horror, however. His memorable roles were also in films such as Howard Hawks' gangster thriller original, the 1932 film Scarface, as well as the John Ford war film, The Rat Patrol. The script was written by Leo Gordon, with instructions given by Corman to incorporate as many existing props and situations as possible from their films in order to complete the film on time and ahead of budget. The film itself was completed in a very short time and released by American International Pictures on June 17, 1963. Though not a very well-known film today, it stands out as the first leading role taken on by Corman regular Jack Nicholson, and served as a stepping stone for what would become an illustrious acting career. Also making appearances in this film are Corman regular and famous bit part actor Dick Miller as the Baron's assistant Stefan, and Sandra Knight as Helene. Knight was actually Jack Nicholson's wife. The two had married prior to filming, and their daughter Jennifer went on to become a famous fashion designer. So join me as we take a look at Jack Nicholson and Boris Karloff facing off in a battle of the wits in a dark castle in Roger Corman's 1963 classic, The Terror. Thank you.
connaissez le chemin pour aller à Colombine? J'ai été séparé de mon régiment. Je me suis égaré. Est-ce que vous auriez de l'eau potable? J'ai vraiment très soif. Cette eau descend de la montagne. Merci. J'aimerais vous dire un mot. Vous ne m'avez pas dit au revoir. Mais vous ne m'avez pas dit bonjour non plus, d'ailleurs. En fait, j'ai à peine entendu le son de votre voix. Je ne suis qu'un pauvre soldat errant sur les routes, et vous, vous êtes le premier signe de vie qui m'apparaît depuis des mois. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous fait rire? Attendez, attendez, vous ne m'avez pas dit votre nom. Je m'appelle Hélène. Venez, je vais vous montrer quelque chose. Qu'est-ce qui ne va pas? Prenez le temps de récupérer. Vous n'avez rien à craindre ici. Là, tenez, vous allez prendre ce remède. Vous savez, jeune homme, vous risquez d'avoir de fortes fièvres. Allez, ça va vous remettre sur pied. Buvez.
Cet oiseau, il m'a attaqué. Oh, vous vous trompez sûrement. Elle est très très gentille. Hein? Viens. Viens avec nous. Elle est un petit moré des fois. Il faut la rassurer, mais elle est très affectueuse, ce qui est extrêmement rare. Ah, sale rapace. Oh, quel dommage. Ma fille adore recevoir des visiteurs. Voici Gustave. Il vous a ramené et il a trouvé votre cheval. Où est Hélène? Ma fille, elle est là. Non, je ne parle pas de l'oiseau. La jeune fille, où est-ce qu'elle est? Il n'y a pas de jeune fille. Mais si, il y en a une. J'ai vu cette fille, elle m'a parlé. Peut-être étiez-vous très fatigué à cause de votre long voyage. Ça a dû vous provoquer des hallucinations. Gustave, tu as déjà vu une jeune fille par ici? Gustave est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination. S'il pouvait parler, on s'apercevrait que son esprit ne tourne pas très rond. C'est un simple d'esprit. Dieu l'a voulu ainsi, et c'est comme ça. Croyez-moi, la seule et unique beauté que vous trouverez ici, c'est Hélène. Que vous vous soyez noyé. Alors vous êtes réel. Je commençais à croire. Qui êtes-vous? Des sables mouvants. Cette femme a essayé de me tuer. Non, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Quelque chose d'autre la contrôle. Vous voulez dire qu'elle est folle? Possédée. Elle a besoin de votre aide. Mon aide, mais... l'aider de quelle manière? Le château du baron von Lepp. Vous la trouverez là-bas. Je ne peux pas en dire plus, ce serait trop dangereux. Allez trouver Eric, lui il sait. Vous voyez, je vous avais dit que vous seriez sur vos deux pieds rapidement.
Si vous partez maintenant, vous aurez rejoint votre régiment avant la nuit. Où est Gustave? Qu'est-ce que vous lui voulez? Je voudrais qu'il me montre où se trouve le château du baron von Lepp. Personne n'y est allé depuis bien des années. Et puis, de toute façon, Gustave, il est parti pour quelques jours. Eh bien, c'est vous qui me montrerez le chemin. Qu'est-ce qui vous intéresse tant chez le baron? Je n'ai jamais dit qu'il m'intéressait. Mais la fille que j'ai suivie la nuit dernière, avec qui j'ai parlé, je crois qu'elle demeure au château. Je vous l'ai déjà dit. Il n'y a pas de fille par ici. Non, ce que vous dites n'a aucun sens. Je suis certain que vous l'avez reconnue. Non. Je trouverai le château tout seul. Non, attendez. N'allez pas au château. Vous vous faites des illusions. Il n'y a pas de fille. Ne perdez pas votre temps à courir après une chimère. Retrouvez votre régiment et partez pendant que vous le pouvez encore. J'ai l'intention de la retrouver. Je vous en prie, n'y allez pas. Revenez! Quelqu'un ? Hélène ! C'est moi, André. Du gouvernement français, je vous ordonne d'ouvrir cette porte. Veuillez m'excuser, jeune homme, mais je ne vous ai pas entendu vous annoncer. Désolé, monsieur. Pourtant, le tapage que j'ai fait aurait pu réveiller un mort. Le gouvernement français. J'ai vu les uniformes de nombreux gouvernements au cours de mon existence. Qu'est-ce qu'un soldat français peut-il chercher ici? Un refuge, pour commencer. Permettez que je me présente, je suis le lieutenant André Duvalier, 1ère division. Baron Victor Frédéric von Lepp, je vous suggère d'aller chercher refuge au village. Merci, baron, mais vous voulez bien me laisser entrer un instant. Vous ne voudriez pas laisser un officier français mourir de soif? Je vous en prie. Tout ce que vous pouvez voir ici, lieutenant, ne sont plus que les reliques de cette noble demeure. Des vestiges, fantômes de la gloire des temps anciens. Un noble héritage est une chose dont on peut être fier, baron.
J'ai bien peur que nous ayons oublié tout cela en France. C'est regrettable. Votre nom ne m'est pas étranger. Votre famille est... Mon père est le comte Duvalier. Ou plutôt, il l'était, jusqu'au jour où ils ont fait tomber sa tête dans un panier place de la Concorde. Pardonnez-moi d'avoir réveillé ces douloureux souvenirs. Vous avez sûrement besoin de vous réchauffer, lieutenant. Je vous sers un cognac. Très volontiers, baron, merci. Asseyez-vous. Stéphane. Monsieur le baron. Du cognac pour notre invité. Oui, monsieur. Puis-je me permettre de vous demander qui est cette jeune femme que j'ai vue à la fenêtre avant que vous n'ouvriez la porte? Une jeune femme? Vous avez sûrement dû vous tromper. Non, je ne me suis pas trompé. Je l'ai vue. Une chevelure brune, des yeux bleus, environ 20 ans. Une jeune femme, je vous assure. Et moi, je vous assure que je suis en pleine possession de mes facultés. Bien, écoutez. Je vais vous montrer quelque chose si vous permettez. Vous ne devriez pas croire à tout ce que vos yeux s'ingénient à vous montrer parfois. C'est cette jeune femme que vous pensez avoir vue? Oui, c'est elle. Bien, avant que vous n'ajoutiez quoi que ce soit, examinez le portrait de plus près, la signature, et surtout observez la date. ? Mais ce portrait date d'il y a 20 ans, c'est incroyable. C'est la même femme, elle n'a pas changé. Cette femme est morte depuis 20 ans, lieutenant. Pardonnez-moi, baron, mais la fille que j'ai vue m'a paru bien réelle pour un fantôme. Vous parlez de la baronne von Leppe, mon épouse. Pardonnez-moi, je ne pensais pas vous offenser. Peut-être que la ressemblance n'est pas aussi frappante que je l'ai cru lorsque j'ai vu cette... Lieutenant Duvalier, les seuls et uniques occupants de ce château sont Stéphane et moi-même. Vous êtes le premier visiteur depuis cette terrible tragédie. Je vous demande pardon. Stéphane va vous conduire à votre chambre. Merci. Ouvrez cette porte. Vous m'entendez? Ouvrez cette porte ou bien je tire à travers.
J'ai pris quelques risques, mais il ne m'a pas vu. Le plus étrange, c'est qu'il n'a aucune peur. Il doit partir au plus vite. Vous ne craignez pas qu'il vous crée des problèmes? Pourquoi dis-tu ça? Il pourrait apprendre des choses au village. Ce que tu dis n'a aucun sens, c'est un soldat. Il ne prêtera pas foi à des ragots de bonne femme. Ce qui m'importe, c'est qu'il quitte le château le plus rapidement. Comptez sur moi. Oh, et une petite recommandation. Nous devons lui témoigner tout le respect que sa position d'officier réclame. Je compte sur toi, Stéphane. Je comprends, monsieur. De quel droit êtes-vous entré dans cette chapelle? Si je suis un intrus ici, Stéphane, ce n'est sûrement pas à toi de me le signifier, mais au baron. Pourquoi êtes-vous venu au château? Qu'est-ce que vous cherchez? Il me semble que le désordre et la confusion règnent dans ton esprit. C'est toi le serviteur, pas moi. Ce n'est pas à toi de poser les questions. Ne devrait-il pas y avoir des objets de culte ici? Pourquoi ont-ils tous disparu? Le baron l'a ordonné, lorsque sa femme a trépassé. Cette chapelle est devenue sa tombe? Non, à quelques pas d'ici se trouve le caveau de famille du baron. La crypte est près du cimetière. Elle y repose avec toute la lignée des von Lepp. C'est scellé depuis 20 ans, lieutenant. Je n'en crois rien. C'était ouvert la nuit dernière. J'ai vu la jeune fille passer la porte. Le baron vous l'a déjà dit, il n'y a pas de femme ici. Pas de femme? Eh bien, c'est ce que nous verrons. Venez avec moi aux écuries, vous m'aiderez à sceller mon cheval. Lieutenant, attendez! C'est ce que j'étais venu vous dire. Votre cheval s'est enfui. Les portes des boxes sont ouvertes cette nuit. C'est absurde. Tu mens. Pourquoi? Non, monsieur, je ne vous mens pas. Écoute-moi bien, Stéphane. Ces mensonges commencent à m'agacer. Tout d'abord cette vieille femme, ensuite le baron, et là c'est ton tour. Une vieille femme? Aucune importance. Maintenant, dis-moi où est mon cheval. Je vais vous en trouver un au village, tout de suite. Une fois que je l'aurai scellé, vous n'aurez plus qu'à rejoindre votre régiment, lieutenant. Tu m'as l'air très impatient de me voir partir. Est-ce parce que tu crains que je découvre l'existence d'Eric? Eric? J'en déduis donc qu'il existe. Tu n'auras pas menti cette fois. Ne vous aventurez pas plus loin dans ce triste drame, lieutenant. Il n'y a rien d'autre qu'un vieux monsieur hanté par ses souvenirs. Il a besoin de vivre en paix à présent. Voulez-vous vous joindre à moi, lieutenant? Non, merci, baron. J'ai fouillé les écuries de fond en comble, mon cheval n'y est plus. Comment cela, il n'y est plus? Non, et je pense qu'on me l'a volé, baron. Oh, mais non, c'est impossible. Les portes s'ouvrent souvent à cause du vent. Il aura pu sortir de l'écurie, je ne vois là rien d'extraordinaire. Soit, ça aurait pu se produire, mais il y a bien des mystères qui demandent des explications, baron. Et j'ai la ferme intention de les obtenir. Comment osez-vous me parler de cette façon? Je ne veux pas être brutal, mais j'entends avoir des réponses. Bien. Dites-moi, pourquoi avez-vous retiré la toile du portrait de la baronne? Eh bien, les murs de ce château sont très humides, bon nombre de tableaux ont été abîmés, et je tiens ce portrait. Vous vous en sortez intelligemment, baron, mais pouvez-vous expliquer la provenance de cette musique et la présence de cette jeune femme à la chapelle cette nuit? Vous l'avez encore vue? Donc, vous admettez qu'elle existe? Ilsa. Ilsa, c'est son nom, répondez-moi, baron. Je vous en prie, laissez-moi tranquille pour la... Eh bien, si je pars maintenant, baron, vous me reverrez bientôt avec toute ma compagnie et nous fouillerons le moindre recoin de ce château jusqu'à ce qu'on la retrouve. Suis-je assez clair? Très clair. Très bien. Qu'est-il arrivé à la baronne? Sa mort a-t-elle été violente? Oui, elle a été très violente. Comment est-elle morte? Vous ne m'épargnez pas, jeune homme. Je n'ai pas toujours ressemblé à ce vieil homme que vous avez devant vous. Ce lieu est devenu aussi misérable que moi, mes gens sont partis les uns après les autres. Ma première épouse était morte depuis 10 ans, je me sentais seul et... Un jour au village, j'ai rencontré Ilsa, une plaisante jeune fille qui venait de s'installer avec sa mère. J'aurais pu me l'offrir. De tout temps, les filles de paysans ont été abusées par l'aristocratie, mais je l'ai aimée.
Elle est devenue la baronne von Lepp. Très peu de temps après, j'ai été appelé pour remplir mes obligations militaires. C'était la rébellion dans les provinces polonaises. Je me suis battu une année durant et quand les combats ont pris fin, je suis rentré auprès de ma femme. Je n'avais informé personne de mon retour. Je l'ai surprise dans sa chambre, mais pas seule. Elle se jouait de moi et disait que dans son lit, il n'y avait plus de place pour moi. C'est de mes propres mains que je l'ai tué. Qu'est devenu son amant? Stéphane s'est chargé de lui. Ensuite, j'ai dit aux gens qu'elle était morte en couche. Ils m'ont cru et personne n'a jamais su que ma femme m'avait trahi. Et personne n'a jamais su que je l'avais tué. Excepté Stéphane. Depuis 20 ans, il n'a plus jamais parlé du drame qui s'était produit dans ce château. Je vis en ces lieux seul, rongé par la mémoire de ces horribles choses que j'ai faites cette nuit-là. Elle était ma baronne. Et qu'est-ce que vous pensez maintenant? Que le fantôme d'Ilsa se manifeste pour vous délivrer de votre passé? C'est ça. Ça fait longtemps que son esprit se manifeste au château. Cela a commencé il y a environ 2 ans, je crois. Bien sûr, au début, j'ai eu peur, mais aujourd'hui, j'aime ces rendez-vous, c'est tout ce qu'il me reste. Encore une petite question, Baron. Y a-t-il quelqu'un d'autre, à part vous, qui ait vu des manifestations surnaturelles? Vous me croyez dément, lieutenant? À vrai dire, Baron, pour l'instant, je ne sais plus que croire. Ah! Mais n'oubliez pas que vous aussi, vous l'avez vu. Peut-être êtes-vous atteint de démence également. Ce nom, il ne me semble pas le connaître. Ce nom, c'est le tien pourtant. Tu ne te rappelles pas? Je m'appelle Hélène. La vieille femme me l'a dit. Mensonge. De la mer, j'ai entendu son appel. Il faut que tu repartes, sinon tu vas avoir des ennuis, Ilsa. Repartir? Vers Eric? Vers la mer. Seulement quand la mer aura gagné la crypte. Nous devrions y reposer, lui et moi, ensemble, pour l'éternité. Ce serait l'œuvre du démon. Tu n'as pas le droit d'agir ainsi. Personne n'a à me dicter ma conduite. Le Français, lui, il peut t'aider, Ilsa. André... Ce vieil appel encore. Elle t'a prévenu, Gustave. Évite d'intervenir. Elle a montré beaucoup de patience jusque-là. Mais tu vas trop loin. Dans les forces de l'au-delà. Laisse-toi guider par la roue des couleurs. Son énergie va te traverser et te donner les pouvoirs des ténèbres.
Le grand esprit du mal pénètre en toi, toujours plus loin, toujours plus loin. Il descend en toi. Avec lui, tu n'auras plus rien à craindre de tes peurs anciennes. Les forces maléfiques sont à l'œuvre pour t'aider. Le grand pouvoir pénètre par tes yeux, envahit tout ton être. Tu vas pouvoir me venger. C'est seulement à ce moment-là que tu seras libéré, enfin libéré. Tu as de plus en plus de force. Tu deviens plus forte. Et bientôt, tu pourras accomplir ma vengeance. Regarde la roue des couleurs. Les pouvoirs des ténèbres vont te plonger dans le sommeil et tu vas retourner d'où tu viens. Bonsoir, madame. Mais qui êtes-vous ? La première chose que vous devez savoir, c'est que c'est moi qui pose les questions. Vous m'invitez à entrer, je suppose. Que voulez-vous de moi ? Vous réalisez que c'est la propriété du baron von Lepp. Il est interdit à tous les villageois d'y entrer, encore moins d'y habiter. Depuis quand êtes-vous ici ? Ça ne fait que 2 mois. Il est préférable que je vous le dise. Voyez-vous, j'ai mené une petite enquête. Vous êtes très connu par ici. Ça fait plus de 2 ans que vous habitez ici. Vous vous appelez Katharina, et dans la région, vous êtes devenue assez impopulaire à cause de certaines pratiques. Ils vous ont appelé Katharina l'hérétique, la sorcière. Ce ne sont que des idiots. Pourquoi êtes-vous là? Que cherchez-vous au juste? Eh bien, je n'ai pas d'argent. Et c'est le seul endroit que j'ai trouvé pour survivre, alors j'ai apporté mes petites affaires ici. Où avez-vous trouvé la fille? Il n'y a pas de fille. Je l'ai vue. Elle se tenait sur cette chaise. Il n'y a pas de fille. Je sais ce qu'elle est. Je sais parfaitement ce qu'est cette fille. Vous allez m'écouter très attentivement. J'ignore ce que vous voulez faire avec vos sales pratiques de magie noire. Mais si vous n'êtes pas parties toutes les deux avant demain matin, je n'hésiterai pas à vous tuer de mes propres mains. Et puis je mettrai le feu à cette maudite baraque. Vous savez qui vivait ici il y a des années? Vous le savez? Eric! Ce lieutenant est-il parti? Non. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il refuse. Il ne partira pas de son plein gré. Mais il le faut. Je t'avais pourtant donné des ordres. Personne ne sait qu'il est ici, monsieur le baron. Il pourrait ne jamais rejoindre sa troupe. Es-tu en train de dire que... C'est le seul moyen. Je ne te laisserai jamais faire une telle chose. Dieu sait combien ma conscience me torture, combien la mort de ce jeune homme me hante. Mon âme ne connaîtra jamais la paix. Et s'il mettait son armée en alerte, vous voulez qu'il réplique au château? Qu'il découvre la crypte aussi? Assez. Je ne te permets pas de parler de la crypte.
Aide-moi. André. Viens à moi. Je t'en prie, André, viens. J'ai besoin de toi. Où êtes-vous ? Que signifie une telle intrusion ? Toutes mes excuses, Baron, j'avais cru entendre des voix. Et cela vous donne-t-il le droit de pénétrer dans ma chambre sans frapper ? Je vous demande pardon, Baron. Stéphane est descendu au village afin de vous trouver une monture. Nous nous éviterons bon nombre de problèmes si vous acceptez de partir dès son retour. Je comprends, monsieur, n'ayez aucun doute. Elsa ? C'est ce qu'il y a de mieux à faire, lieutenant. Le comportement du baron vous a peut-être paru étrange, mais la mort de la baronne l'a profondément choqué. Il ne s'en est jamais remis, malheureusement. Je comprends parfaitement, Stéphane. J'aimerais tout de même savoir une chose. À quel sujet ? Qui est Eric ? Je crois que le baron vous a dit qu'il avait surpris la baronne avec quelqu'un d'autre. Oui. Cet autre était Eric. Descendre.
besoin de vous. Elle vous aime. Il faut que vous l'aidiez. Cette nuit, elle vous attendra. Vous seul pouvez la sauver. Repentez. Je vous ai attendu si longtemps. Et moi, je vous ai cherché partout pour vous aider. Mais vous sembliez errer comme une âme en peine. Vous étiez là et tout à coup ailleurs. Vous êtes vraiment là? Bien sûr, je suis là. Et je ne vous quitterai plus jamais. Jamais? Dès que la nuit tombe, j'ai froid. Tout mon corps se met à frissonner, glacé jusqu'aux os. Je déteste la nuit. Si je pouvais en être libérée. Vous êtes libre. Parce que vous êtes là. Mais quand vous n'y serez plus. Non. Je serai toujours à vos côtés. Maintenant, il faut que nous partions. Non, je ne peux pas. Je dois attendre. Attendre quoi? La crypte. Pour que la mort s'éloigne, il faut détruire la crypte. Non, ne pensez plus à la mort, je suis là maintenant. La mort me possède. Vous êtes une magnifique jeune femme. Qui vous fait croire de telles choses? Un mort. À Paris, ils ont des moyens fantastiques, ils sauront vous aider à comprendre. Je vous y emmènerai. Nous verrons des médecins et vous le libérerons de la mort, peut-être? En restant ici, vous vous condamnez à une mort certaine. Vous devez partir avec moi immédiatement. Non, je suis trop effrayée. Je crains la nuit. La nuit ne doit plus vous effrayer. Vous voyez, l'amour chasse toutes les peurs. Oh oui, André. Je vous aime tant. Alors venez avec moi. Ne bougez pas d'ici. Tout va bien, allons. Thank you.
Lisa, mon amour. Tu n'es pas seule. Je suis près de toi, mon amour adoré. Bientôt, j'irai te rejoindre. Je serai avec toi éternellement. Lorsque le moment sera venu, Stéphane me descendra à la crypte et nous unira ensemble dans cette tombe. Pour l'éternité, mon amour. Hein? Ilsa? 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 Pourquoi est-ce que tu ne veux pas me répondre? Je suis là, Victor. Je t'ai longtemps attendu. Mon adoré, mon adoré. Tu sais ce que tu dois faire. Non. Je ferai n'importe quoi, mais ça, c'est au-dessus de mes forces. Ne me demande pas une chose pareille. Tu dois le faire, ou nous ne serons jamais réunis. Non, je ne peux pas. Je refuse de faire ça. Regarde-moi, Victor. Oh, Ilsa! Je ne comprends pas pourquoi tu me tourmentes autant. Tu dois le faire, Victor. C'est le seul moyen pour que nous soyons ensemble. Tu dois le faire, Victor. Non, c'est impossible. Ce serait sacrilège. Je serais damné. Mon âme connaîtrait les tourments éternels. Voyons quel est votre vrai visage. Non! N'approchez pas, il ne faut pas... Non, n'essayez pas de l'approcher! Laissez-moi! Quelle est cette magie? Quelle femme êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Hélène! Il y a un médecin au village? Ce dont il souffre n'est pas physique. Ce n'est pas la première fois, il reprendra connaissance. Nous ne pouvons qu'attendre. Le baron m'a dit que tu étais à son service depuis la campagne de Pologne. C'est exact. Dans ce cas, cela fait 20 ans que tu vis dans ce château. Tu dois en connaître les moindres recoins. Il commence à reprendre conscience. Non. Il gémit toujours dans ses délires. Il me faut les clés. Prête-les-moi, je voudrais voir la chapelle. La chapelle? Oui, tu as bien entendu. Nous allons passer par l'entrée secrète. Vous connaissez le passage? Oui, venez avec moi. Qu'y a-t-il? La lumière, là. Ça provient de la chambre de la baronne dans la tour. Depuis le drame, elle a été scellée. Cette chambre est condamnée. Venez, suivez-moi. Seul le baron a le droit d'y entrer. Lieutenant, non! Si le baron découvre qu'on a violé cette pièce,
Est-ce que la baronne avait eu un enfant? Je l'ignore. Je ne l'aurais jamais pensé. Vous ne m'épargnez vraiment rien. Baron, si vous permettez, je vais vous expliquer. Nous Stéphane. Étions... Pardonnez-moi, monsieur, Stéphane. Mais le lieutenant... Prends cette arme et accompagne ce gentleman hors du château. S'il te résiste, abat-le. Oui, baron. Lieutenant. Ma chérie, mon amour. Je suis là. Je suis désespéré. Mon âme ne cesse de pleurer pour son salut. Il n'y a qu'un seul moyen, Victor. Non, non. Que serais-je alors au regard de Dieu si je commettais ce crime? Il te pardonnera. Si seulement j'en étais sûr. Ôte-toi la vie comme tu as pris la mienne. Laisse ta main te détruire. Alors toi et moi serons réunis pour toujours. Pour toujours. Plus de tourments, Victor. Pour toujours. Pour toujours. Je le ferai, Ilsa. Je le ferai. Vous êtes prévenus. Si je vous vois rôder près du château, je vous tire dessus. Ce moment même, elle le conduit tout droit vers la malédiction du tombeau. Vous la contrôlez tout autant que vous contrôlez ce rapace. Comment? Par hypnotisme? Hypnotisme, vous êtes fou? Pourquoi? Réponds-moi, vieille femme, ou je te tords le cou. Je suis venue me venger du baron Von Lepp. Cette nuit, elle va le pousser à commettre un crime impardonnable. Il va payer. Mais pour quelle faute? Qu'est-ce que le baron vous a donc fait? Il a tué mon fils, Eric. Eric était votre fils? Oui. Et cette nuit, le baron va payer de sa vie celle de mon fils et son âme brûlera aux enfers. Elle a parlé de la destruction de la crypte. Trop tard, trop tard. Monsieur le baron!
est le baron? Il faut à tout prix l'empêcher. Il s'est enfermé dans la crypte. Eric est enfin vengé. Pourquoi parle-t-elle de vengeance? Elle se sert de la jeune femme pour amener le baron à se suicider. Mais pourquoi? Elle croit que c'est le baron qui a tué Eric. Elle n'a jamais su que c'était toi. Nom d'une vermine! L'assassin de mon Eric, c'est lui! Eric et son fils? Sois maudite! Non, attendez! Tout ça n'était que mensonge. Le baron venait de rentrer, il a découvert Eric avec la baronne et il l'a tué. Mais il y a eu une lutte et ce n'est pas Eric qui a été tué, mais le baron. J'ai tué le baron. Alors mon fils est toujours en vie? Eric a pris la place du baron, jamais personne ne l'a su. Mais en usurpant sa place, il a pris aussi son esprit. Il est convaincu d'être le baron von Lepp. La crypte? L'eau de la mer va l'inonder. Son âme va périr en enfer. Eric! D'où pourrait venir l'inondation? Il y a un tunnel qui va de la mer à la crypte. Il faut l'empêcher, venez! Je t'attends. Dépêche-toi. Viens, viens vite. Regarde-moi et viens me retrouver dans un baiser éternel. Mais pourquoi me fais-tu ça? Pourquoi? Je veux que tu sois maudit tout autant que tu m'as maudite. La part de moi qui t'a aimé, Victor, est là, couchée au fond d'un cercueil. Allons, regarde. Regarde ce que ta bouche maudite a fait de moi. C'est toi qui as provoqué cette malédiction. Pourquoi m'as-tu fait ça? Dis-moi pourquoi. J'ai bien peur que tes péchés n'aient condamné des âmes aux pouvoirs infernaux. Mais aujourd'hui, en leur livrant ton âme immortelle, je vais être libre.
Eric. Vous êtes libre maintenant. Il n'y a plus rien à craindre. C'est fini. Vous comprenez? Vous êtes libre. Vous êtes là. Oh, André. Due to the fact that there was no actual copyright notice during the film's title or on its posters, The Terror fell into the public domain immediately upon the time of its release. Roger Corman, being a busy B-movie producer, couldn't care less, as he was a very busy director. He had directed two previous films in 1963 and would direct two more as well before the year came to a close.
However, The Terror became very popular once Jack Nicholson became a popular film star. And so in 1991, Corman hired Dick Miller to play the same character for additional scenes that he filmed for a version called Return of the Terror, having Miller's character tell the whole story through flashbacks. This version is copyrighted, but is also very hard to find. Scenes of Karloff in this film were used extensively as a background for Karloff's character in Peter Bogdanovich's 1968 film, Targets, which Corman had a hand in creating in terms of the screenplay. The film's habit of borrowing nearly every piece of set dressing or props from other films spilled over from other films not directed or produced by Corman. Jack Nicholson's blue uniform was originally worn by Marlon Brando's character in the 1950 film Desiree. Ultimately, the film was shot in a period of only 2 days. Now, for comparative purposes, the 15-minute short film that I made in high school took 8 days to complete. Despite receiving criticism for its rushed production, The Terror is a landmark film for being one of Corman's first color films. It goes down in history today as being one of his definitive classics, and many people choose to watch it for free online as well as YouTube, and it also makes appearances on the Turner Classic Movies channel from time to time. I hope you'll join us next week when we see another black and white horror film from the 1960s, though this one being much more of a sci-fi film, when we review the 1966 Japanese-American co-production of Gamera the Invincible. I'm George Roth, and this has been your Film of the Century of the Week here on Channel 5.